par rapport à yako otozo vivre le bien suffit bisile le kamalo bana ebele. RDC Bénin, c'est la finale des éliminatoires au Mondial Qatar 2022 à jouer ce dimanche au stade de Martyrs, match décrété à huis clos. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Digital Sport. Tout ému de vous retrouver après plus d'un mois d'absence pour raison de reconstitution au physique. Et tous les plaisirs est pour moi de vous tenir compagnie ce soir. L'actualité, c'est donc la sixième et dernière journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022, zone Afrique. Et dans le groupe J, on joue la finale du groupe C dimanche au stade de Martyrs sans supporters. La République démocratique du Congo qui s'est relancée grâce à sa large victoire en déplacement en terre tanzanienne 3-0. Les Léopards ont sorti leur griffe acérée devant les Taifa Stars qui ont été dévorés devant les Léopards très assoiffés. Veulent donc rééditer l'exploit ce dimanche à domicile pour terminer le boulot. Ça passe par une victoire, pas autre résultat pour valider leur billet. Et la traditionnelle conférence d'avant-match a été respectée. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, dit « Peu importe l'équipe qui sera alignée, l'idée c'est de jouer pour la gagne ». Il est dit au micro des Digital Congo. Et nous avons tous la pression de gagner. Et je dis chaque fois, la pression c'est bon. Si tu fais si tu as des choses importantes à faire, la pression est bonne. Je pense que le sentiment que ce groupe-là a, c'est pas individuel. Et ils peuvent donner la joie à tantos millions de personnes. La joie qu'ils peuvent donner à aux tant de millions de personnes. Eso también es importante para et ça aussi, c'est très important. Pero... Mais chaque fois, la mentalité doit être, quand on sort pour jouer un match, la mentalité, c'est de gagner. Au-delà des problèmes que nous pouvons avoir, au-delà qu'il peut y avoir la chaleur, au-delà d'avoir des absences, pour le blesser, mais l'équipe doit être concentrée, les joueurs doivent être bien en forme. Et avec cette mentalité, on doit sortir au terrain pour jouer. Généralement, chaque fois, ce qu'on essaie de faire, et avoir le plan A et le plan B. De son côté, son collègue sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer, sait que ça sera une finale âprement disputée entre la RDC à deux longueurs du Bénin qui occupe provisoirement la tête. Il reconnaît que la RDC peut surprendre. Il est au micro de Digital Congo dans cet extrait des conférences avant match. J'enchaîne très très vite, mais oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage de points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Vous savez, on ne se nourrit pas de regrets. Le parcours que l'on a accompli jusqu'à présent, on ne peut pas le réécrire.
Donc c'est vrai qu'on a perdu notre match à domicile contre la Tanzanie. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais on a aussi pris 3 points en Tanzanie, ce qui n'était pas évident. On aurait inversé les résultats, on dirait bon, on est dans la course, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que cette équipe de Tanzanie aussi, c'est une bonne équipe, et je pense qu'au niveau de la RDC, ils ont suffisamment fait souffrir votre équipe aussi pour le savoir. Et le patron du sport de la République démocratique du Congo, le ministre Serge Kondé, de son côté, n'est pas en reste, a dû réunir la presse pour rappeler l'importance de la rencontre, l'enjeu du match RDC-Bénin, qui malheureusement va se jouer à huis clos, qu'à cela ne tienne. Il en appelle à l'amour de la patrie pour bien des supporters des Léopards appelés à soutenir leur équipe à distance. Et nous demandons à tout le peuple congolais d'être uni derrière les Léopards de la RDC parce que c'est la patrie qui est engagée. Nous allons demander à tous les compatriotes d'être fiers de leur pays. Quand les Léopards jouent, on devrait... Voilà, le ministre Serge Kondé qui a appelé donc à la sensibilisation de ses compatriotes pour porter leur équipe s'unir autour des tatems Léopard, appelé à sortir les griffes acérées pour remplir à moitié leur contrat, valider le billet pour le dernier tour. Ça passe par une victoire de notre 11 national. C'est dimanche au Stade de Martyrs. Il est temps de faire parler les ressources humaines de la République démocratique du Congo. Déclaration du président de la structure Allez-y les Léopards rénovés. Ya Santé Moulongoy a pris la parole pour remobiliser tous les Congolais derrière la cause nationale. Ce reportage est signé David Ndala, Hubert Chipukana. Il est au micro de David Ndala. Nous avons fait le Congo, la RDC, et nous avons tout. On dit que c'est un paradis. Le paradis là, ce n'est pas seulement des minéraux. Les ressources humaines, quand même, ça existe. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous parlons des Léopards. On ne parle pas de minéraux. Et si les Léopards se qualifient, on va parler ça partout au monde, que la RDC est qualifiée à la Coupe du Monde. Ça va nous donner cet honneur, puisque nous avons perdu cet honneur longtemps. Notre pays ici, la RDC, au sud du Sahara, c'était le premier pays en allant à la Coupe du Monde. Nous avons bâti toutes les équipes africaines en 1974 et nous sommes allés représenter l'Afrique, une seule équipe. Mais aujourd'hui, maintenant, ce sont les 5 équipes qui partent là-bas pour représenter l'Afrique. Nous allons prier là où nous sommes et nous allons oublier nos divergences et nous serons unis. Cette unité-là, ça va nous donner la force et nous serons vainqueurs. Mais prions à Dieu et à nos ancêtres qu'on puisse gagner ce match-là du dimanche, peuple congolais. Soyons patriotes. Les supporters de leur côté ne sont pas en reste. Interrogés sur le match entre la RDC et le Bénin, plusieurs d'entre eux expriment leur optimisme. Ils estiment que leur équipe pourra reproduire la performance réalisée en terre tanzanienne. Il vous souviendra que les Léopards avaient étrié les Taïfas dans leur propre gazon. Ils sont ici au micro de Gad Mukiako, notre confrère de la rédaction. Nickel. Équipe Nabiso nationale et RDC par rapport à Bénin, ça signifie que la qualification à l'objet est déterminée. Pour éviter l'équipe, on a un matin qui tape pour les policiers parce qu'ils sont posé en cause à la qualification. Les sentiments que j'ai à présent proviennent du résultat que nous avons obtenu à notre dernier match avec la Tanzanie. Cette victoire a été le produit de la détermination que l'équipe nationale a fait preuve dans ces matchs-là. Et je reste optimiste. Je crois que demain, notre équipe nationale, les Léopards, en tout cas, mettront en pièce l'équipe de Bénin. Je crois que notre équipe a toujours été capable de marquer plus de 3 titres. Les matchs de demain, pour nous, c'est comme une finale. Donc, vu la prestation de Léopard contre la Tanzanie, comme l'entraîneur l'a
imprimer notre système de jeu, moi je pense que le match de demain sera de notre côté, de notre pour l'emporter. Au moins un écart de 2 buts. Nous avons été parmi les premiers pays africains à participer à la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, en 1974, malheureusement. Nous avons encaissé 9 buts. Bon, que cela les tienne, mieux vaut tard que jamais. Je pense que nous pouvons, nous avons la chance de pouvoir participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. RDC Bénin, match prévu ce dimanche sous les coups de 14h pile heure de Kinshasa au stade de Martyrs. Et la tradition a été également respectée côté béninois, obligé de faire la reconnaissance du gazon sous une forte pluie qui s'est abattue dans la ville province de Kinshasa. Ce samedi, presque toute la journée, les conditions météorologiques difficiles qui n'ont pas empêché aux écureuils du Bénin de s'entraîner. Notre confrère David Ndala a filé les Béninois sur la pelouse du stade des Martyrs. Ça s'appelle l'entraînement de la douleur. Les écureuils du Bénin qui doivent jouer ici même au stade des Martyrs de la Pentecôte ce dimanche sous le coup de 14h de Kinshasa, la capitale, sont en train de faire ce qu'on appelle la traditionnelle reconnaissance de terrain. Mais dans quelles conditions? C'est sous la pluie. Justement, puisque Kinshasa se réveillait, en tout cas, sous une timidité, et cette timidité n'a pas quitté la capitale. Et pendant ce temps, les écureuils du Bénin, leaders de ce groupe J, sont en train de s'entraîner dans la douleur, comme je le disais. Le terrain est trempé, gorgé d'eau, la pelouse, mais ils sont obligés de le faire. On voit justement que le groupe est préparé pour ce genre d'exercice, et d'ailleurs, les Béninois le savent très très bien, ils sont leaders de ce groupe J, ils ont encore leur destin en main. En cas d'un match nul, ils peuvent toujours rentrer à Cotonou avec bien sûr satisfaction, mais il faudra finir le travail. Et justement, l'image, la symbolique de cette séance d'entraînement ici au stade des Martyrs sous la pluie dit en tout cas long que les Béninois sont venus souffrir dans la capitale Kinshasa afin de rentrer avec un résultat escompté, c'est-à-dire une qualification pour la prochaine étape, la double confrontation, et espérer bien sûr être des nations à représenter le continent africain au prochain mondial Qatar 2022 à partir des très 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 prochainement. Lors de la cinquième journée, vous le savez, les Béninois ont battu les Baréa, les Malgaches, sur le score de 2-0 à domicile. Justement, la République du Bénin a dépêché une forte délégation de supporters regroupés au sein des conseils nationaux de ce dernier. Son secrétaire général, Boniface Sangboa, a accordé une interview exclusive à notre confrère David Ndala. Le Bénin est venu pour se qualifier, a-t-il dit. Le Bénin vient parce que nous sommes venus pour la qualification. C'est pour ça que la qualification peut passer par une victoire, c'est notre objectif numéro 1. Mais à défaut d'avoir une victoire, c'est un livre qui nous participe, c'est dans tous les cas, nous sommes venus pour repartir avec la qualification. Nous savons que le match se joue très vrai en dehors du terrain. Le match, c'est et je pense que les joueurs, à nous, ne les connaissent pas en particulier dans la musique complète. À la musique, ils connaissent un talon qui ne sera pas là. Encore une fois, ils ne vont pas considérer qu'il y a une musique qui est qu'il y a un président ou le président de la FIFA. Je pense que ça ne va pas justement. En fait, si on n'est pas là, on a souvent vu le fournir se résister pour faire réviser le ministère à qui d'ailleurs. Deux matchs à vous couper le souffle au programme ce week-end pour les comptes, la sixième et dernière journée de la phase des groupes des éliminatoires au Mondial Qatar 2022. Justement,
des résultats qui nous tombent sur la table. La Zambie a écrasé la Mauritanie 4-0. Là, nous sommes dans le groupe B. Et alors que le Cameroun, en déplacement en terre malawite, a réalisé une véritable promenade de santé. 4-0 devant les flammes du Malawi. Et du coup, le Cameroun consolide sa position dans le groupe D. À suivre ce dimanche, beaucoup de matchs au programme, notamment RDC-Bénin sous les coups des 14h, Madagascar-Tanzanie, les deux formations qui ont déjà raccroché le crampon, Ghana, Afrique du Sud, Mali, Ouganda, Sénégal, Congo, Brazzaville, où les Lions de la Teranga sont en train de surfer dans ces groupes. Ils règnent en véritable lion indomptable. Plutôt, Lions de la Teranga. Là, nous parlons des Lions du Sénégal. Au pays, on a joué l'unique match du championnat de la Vodacom Ligue 1 à Kassala Bonjola. Nous sommes dans la ville diamantifère. Les Anges de Mbujimaï ont été tenus en échec par leurs voisins de l'US Tchinkunku, les Corbeaux de Kananga. 0-0. Un nul qui repositionne légèrement Sa Majesté Sangabalende, qui occupe provisoirement avant le match au programme le lundi prochain à la 8e position. Avec cette fois-là, Sa Majesté Sangabalende comptera 8 points moins 1 goal différence. Nous changeons de discipline pour parler noblard à présent avec cette annonce des combats des galas par la police nationale. Le 20 novembre en cours, il y aura des galas, des boxes qui opposeront des policiers de la capitale. L'annonce a été faite par le général de la police nationale Alain David Ndila. Je vous propose de le suivre au micro de Digital Congo. Pourquoi la police organise. La loi sportive congolaise octroie à la police nationale congolaise une structure appelée groupement sportif particulier sport de la police, qui est l'une des structures de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. Pour rappel, ces structures sont les suivantes. La première, c'est l'association sportive ou les associations sportives qu'on appelle autrement le club sportif. Deuxièmement, il y a des groupements sportifs particuliers. Il y en a 5 que la loi sportive congolaise a mis en place. Il y a le sport scolaire, les sports universitaires, les sports militaires, les sports dans la police et les sports corporatifs. En dehors de ces deux structures, nous avons la troisième, c'est l'association de corps de métier. La quatrième structure, c'est les fédérations sportives. Et la cinquième, c'est le comité national olympique. À chacun ou à chacune de ces structures, le gouvernement a délégué un certain nombre de pouvoirs pour l'organisation. Et en basketball, avant de nous quitter, le BC Yellow Star s'est acquitté d'une obligation administrative. L'Assemblée générale extraordinaire élective qui a porté à la tête de cette formation Silon Mpoy, son fondateur et président honoraire de la Ligue de basketball de la capitale. Images et commentaires. C'est un comité de 8 personnes, dont 4 femmes. Ici, la parité est bien respectée. Le comité Silon Mpoy, nouveau commandant à bord, fondateur de l'équipe et président honoraire de la Ligue de Kinshasa, tient à redorer cette formation 25 ans après un passage à vide à travers sa démarche qualité. Et comme je l'ai dit tantôt dans mon petit mot de programme, nous allons nous inscrire dans la démarche qualité, c'est-à-dire la mutualisation des compétences, des intelligences et des moyens. Ça suppose que les athlètes ont quelque chose à donner à l'équipe. Les dirigeants ont quelque chose à donner à l'équipe. Et ensemble, nous allons être forts et
ambitieux. Nous voudrions construire une équipe ambitieuse. Je l'ai dit et j'en ai la conviction, nous devons avoir de l'ambition. Nous serons là pas pour jouer le rôle de figurants, nous allons effectivement jouer le rôle des compétiteurs. Rehaussé par la présence de représentants de la division urbaine sport et loisirs de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa et de l'Entente Ouest, la ville a mis l'accent sur la bonne gouvernance axée sur le principe démocratique. Mettez-vous ensemble, traitez ensemble. Les comités, un président, soit un membre, ne peut pas décider d'une manière unilatérale. La décision d'ensemble, la voix de la majorité qui prime dans toutes les décisions que vous allez prendre. Le comité silo pourra bien compter sur la présence de Quintala, ancienne basketteuse, pour l'encadrement des filles appelées à se mettre au travail dès la semaine prochaine à l'annonce du nouveau staff technique. Amen. C'est la fin de ce Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi avec tout le plaisir. Je vous retrouve ce dimanche sous les coups des 13h pour le plateau de la rencontre RDC Bénin. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir. Les infos en temps réel et en continu sur Digital Congo.